Salam et bonjour à tous. Cette fois-ci, on va parler du rêve de la joue en islam. Donc, dans l'interprétation des rêves, la joue représente la beauté et l'apparence. Elle représente aussi l'affection et l'amour. C'est un symbole binaire car il peut représenter le bien et le mal, le bienfait et la douleur, la santé ou la maladie, ou l'augmentation ou la baisse. Ce qui affecte votre joue dans le rêve se produira dans sa vie. La joue dans le rêve indique aussi son type de travail, son métier. Si la joue est rose dans un rêve, cela indique sa bonne santé et chance dans sa vie. Les joues jaunes ou opaques dans un rêve signifient la peur, la tristesse ou la perte de son statut. Si la joue dans le rêve est salie avec la poussière, cela signifie l'humiliation et la faiblesse. Cependant, si une personne religieuse rêve qu'elle a des joues couvertes de poussière, cela signifie l'augmentation de son rang et qu'il deviendra exalté aux yeux de Dieu. Donc voilà à peu près le rêve de la joue en islam. Ça reste assez court, mais c'est lié à l'état de la santé générale. Donc merci et à bientôt.